Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la 22e édition des produits terminés. Et oui, déjà la 22, on y va. J'ai mis de côté comme d'habitude mes flacons vides pour vous parler de ce que j'ai terminé ces derniers temps. On essaye de faire ça rapidement parce qu'il y a quand même pas mal de produits. On va démarrer par tout ce qui est produits douche, shampoing, corps. Le shampoing, vous le voyez ici, c'est le Hyaluron Repulp de la marque Elseve. Donc, c'est une gamme que j'avais testée comme ça. J'avais le shampoing et l'après-shampoing. Il me reste encore un petit peu d'après-shampoing. C'est un shampoing réhydratant à l'acide hyaluronique 72 heures. Il y avait beaucoup de revues positives par rapport à ce shampoing. J'avoue que je l'ai trouvé très très bien. Il a vraiment ce côté hydratant puisque moi je le ressens sur mes cheveux. Après, le seul inconvénient pour moi, c'est que il va falloir que je me relave les cheveux peut-être un jour plus tôt qu'avec d'autres shampoings. Mais sinon, ça a ce côté hydratant, donc je confirme. Et l'après-shampoing est également bien. Il le conseille pour les cheveux déshydratés, fatigués. Ça reste des prix tout à fait abordables. Donc ça, c'est pas moi qui ai utilisé, hein. Et en général, je suis pas fan des fructis. Mais c'est le shampoing fortifiant. C'est monsieur qui a utilisé. Bon, il a plutôt apprécié, je pense. Ça convient aux cheveux normaux. On avait ça depuis un moment. Et il est enfin terminé. Tes douches. On a également terminé une mousse de douche Ritual. C'était celle de Ritual of Hammam. Et c'était la première fois que je testais cette senteur-là chez Ritual. C'est quand même vraiment, elle porte très bien son nom. On a l'impression d'arriver dans un hammam, dans un spa. Il y a cette odeur d'eucalyptus qui est très présente. Et c'était très relaxant, très décontractant. Donc j'ai beaucoup aimé. C'est à la fois une senteur qui va être masculin et c'est assez mixte. Ça fait masculin-féminin. Donc j'ai beaucoup aimé. On l'a bien utilisé. Côté douche, j'ai également fini un petit format de chez Durance. C'était le gel douche à la fleur de coton. C'est une odeur que j'aime beaucoup. Là, j'avais un petit 75 ml. C'est pas mes gels douche préférés, mais la senteur est très réussie. Ensuite, le petit Marseillais. Enfin, la recharge d'un litre est terminée. C'est une éco-recharge 100% recyclable. Donc, c'est la douche crème extra doux au lait. Donc, j'ai dans la douche le petit format plastique que je remplis. J'ai pu le remplir au moins 4 fois avec ça, donc c'est quand même assez économique. La dosette, la recharge, pardon, a un certain coût, mais je pense qu'on s'y retrouve à la fin. En plus, bon, effectivement, ça c'est recyclable et l'odeur lait, c'est très doux, c'est très agréable. Les enfants aiment beaucoup se laver avec le petit Marseillais. Alors, si côté douche, j'ai oublié, j'avais une petite mousse aussi de la marque Ritual, donc là en format voyage, et c'est le Ritual of Yalda. Je sais pas s'il existe toujours, c'était une édition limitée. Watermelon et pomegranate. Par contre, j'ai eu un petit souci, ça faisait un moment que je l'avais dans mes placards et elle avait plus du tout cette texture de mousse chantilly très aérienne, très légère de chez Ritual. Ça m'a explosé, mais littéralement explosé à la tronche, c'est-à-dire que j'ai pris de la mousse dans les yeux. C'était vraiment plus liquide. Bon, donc surtout n'attendez pas trop longtemps avant de les utiliser, ou elle avait peut-être voyagé aussi, ça l'avait un petit peu trop mélangé. Bah voilà, dommage pour celle-ci. Niveau dentifrice, j'en ai deux. Alors j'avais ça de la marque Le Bon, le White. J'avais eu en promotion, je crois, sur Blissim. C'était pas mal. Alors ce sont des dentifrices vraiment très doux, qui normalement ont une compo, etc. Mais le prix est juste très élevé hein, pour un dentifrice. Que menthe douce, thé vert. Non, c'était sympa. Par contre, je trouve que ça nettoie pas vraiment bien les dents, tout ce qui est tartre, tache. Donc je vous recommande pas. En termes de dentifrice, moi j'utilise beaucoup ceux de chez New Skin. Alors là j'avais testé le AP24 qui est vraiment dédié à la plaque au tartre. Donc c'est vrai qu'il a vraiment cet effet, hein. Moi j'ai tendance à en avoir un petit peu sur les dents du bas, à moins d'aller faire un détartrage chez le dentiste, ça reste. Et là quand même j'en ai quasiment plus avec l'utilisation de ce dentifrice. Par contre, je préfère le dentifrice blanc, c'est-à-dire celui qui a le bouchon blanc ici dans la gamme AP24 chez New Skin, parce qu'il a ce côté blanchissant, la texture est quand même plus fine, plus légère, et ils conviennent à toute la famille, je crois, dès 6 ans. Donc oui, les dentifrices New Skin, je valide à 1000%. Je vous mets mes liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Côté mains, j'ai terminé aussi un produit nettoyant pour les mains de chez Yves Rocher, qui était dans la gamme de Noël, d'il y a peut-être plusieurs années, 2 ans. En général, j'en prends un ou deux, là c'était orange fondante. Alors il est bien, par contre je les trouve un petit peu asséchants maintenant pour les mains, les gels douche Yves Rocher pour nous. Donc bon, je rachète s'il y a des promos. Crème main L'Occitane, celle-ci c'était fleur d'or et acacia en 30 ml. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Après c'est pas une crème ultra riche, mais quand on n'est plus en hiver ou qu'on n'a pas les mains trop abîmées, c'est très bien. Alors, côté douche, j'avais également un petit format, je crois que c'est la gamme Chaka Natural Beauty.
Emna m'avait offert un petit coffret avec plein de gels douche de cette marque-là, différentes senteurs. On les a utilisés, les enfants aussi. Donc là, on a fini le coconut. Ils sont vraiment très bien. Brume d'intérieur, j'ai terminé celle-ci qui est une brumette, je crois, Papy Papette. Alors c'est même. Ah oui, c'est ça. Brumette d'ambiance by Papy Papette. Gros, gros coup de cœur. Ça sent extrêmement bon. Il y a une petite odeur mentholé que j'aime bien, pardon pour le bruit, qui a ce côté frais, donc vous l'utilisez sur. Moi j'aime bien l'utiliser sur les draps et les oreillers avant de me coucher. Super découverte. Papy Papette, ils font des bougies aussi, j'adore. Pour le visage, j'ai terminé aussi un petit format de la marque La Canopée. C'était la gelée noire nettoyante aux actifs purifiants, pardon. Au charbon, à l'arbre à thé, au citron, 100% d'origine naturelle. Voilà, alors c'était la deuxième fois que je l'utilisais, je l'avais déjà utilisé dans le passé. Il est bien, j'avoue que je m'en suis un petit peu lassée. C'est très fluide comme texture, ça purifie, mais voilà, c'est pas un coup de cœur. Une crème corps aussi de la marque Dr. Barbara Sturm, qui est une marque qui coûte un bras, littéralement. Et donc, Molecular Cosmetic Anti-Aging Body Cream, made in Germany. Je n'ai eu aucun coup de cœur pour cette crème. J'étais pas fan du tout de la texture, c'était très long à pénétrer, ça laissait un film blanc sur la peau. L'odeur, pas fan. Donc pour moi, c'est pas un coup de cœur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent cette marque, mais en tout cas, le premier produit de la marque que j'ai utilisé, pour moi, c'est un flop. Alors, on parlait de dentifrice tout à l'heure. On a terminé de nouveau le Teraxil Junior 2 en 1 pour les enfants. Je leur prends souvent ces formats-là de dentifrice liquide. Ça fonctionne très bien avec la Y-Brush. La Y-Brush qu'ils ont, et c'est génial ce système pour qu'ils se lavent les dents en quelques secondes, c'est incroyable. Si vous connaissez pas, je vous invite à tester. Hein. Niveau corps, j'ai une autre crème aussi. Par contre, là, j'ai eu un coup de cœur, effectivement, c'est de la marque Graines de Pastel, qui est une marque occitane que j'adore. Et là, j'avais la crème corps Nutritive à l'huile de pastel, c'était un petit pot en verre comme ça. La crème est légèrement bleu-violette. Bon, bah, y en a plus. Mais rien que l'odeur, moi j'adore. C'est vraiment une odeur hyper agréable. Là j'ai le baume de cocagne aussi qui a une texture body soufflée incroyable. Donc très très bon produit, très très belle marque, Graines de Pastel pour le corps. Alors niveau capillaire, j'ai terminé le petit shampoing sec Chlorane au lait d'avoine. J'avais dû recevoir ce produit-là en box. Maintenant j'utilise moi les shampoings secs Baptiste, mais de temps en temps j'aime bien aussi Chlorane. J'ai terminé aussi le primer, la base thermoprotectrice de chez Bumble and Bumble. C'est un petit spray comme ça que j'avais reçu en box également. C'est à la coco je crois. En tout cas ça sentait un petit peu la noix de coco. J'ai bien aimé, ça se finit vite. Je le mettais avant de faire le sèche-cheveux ou autre. Contour des yeux, j'ai terminé cette crème de Cure numéro Eyes. C'était un petit tube vert que j'avais reçu avec Goodie Box. La crème à l'intérieur était verte aussi. Je l'ai trouvée vraiment plutôt pas mal, cette crème contour des yeux. En tout cas, j'ai pris du plaisir à l'utiliser. Elle était très hydratante, très réparatrice. Donc oui, après je crois que c'est assez cher. Crème visage, j'ai terminé mon pot de la marque Froudia. Et c'est donc la Citrus Brightening Cream. J'avais un gros pot comme ça de 55 grammes. Une tuerie. Donc déjà l'odeur pamplemousse, citronnée, agrume, moi j'adore. La texture un petit peu gélifiée, mais quand même riche, hydratante de cette crème, qui correspond vraiment tout à fait à mon type de peau. Donc si vous avez une peau mixte à tendance déshydratée, je vous conseille d'aller tester cette crème-là. Ça a été une expérience sensorielle incroyable. Je ne peux pas vous dire mieux. Ça c'était dans ma box Lush, j'ai gardé le petit papier, c'était des patchs pour les yeux gel, on va dire, des gels à laisser poser. J'ai pas trop aimé, c'était les Cherry Blossom Eye Pads, vous avez qu'une seule utilisation, je trouve que c'est pas du tout intéressant au niveau du tarif, ni au niveau des résultats, donc je vous en parle pas plus. Niveau, on était tout à l'heure sur Graines de Pastel, j'ai un autre petit produit de cette marque-là que je viens de terminer, qui est la gelée nettoyante à l'huile de pastel, que j'ai trouvé très très bien également. C'était un petit tube format voyage que j'avais reçu dans une petite trousse. Très sympa, ça démaquille plutôt bien. Également en mousse nettoyante, j'ai terminé de la chez New Skin, le Edge Lock. Donc c'est la gamme anti-âge, hein, avec le mélange Edge Lock à l'intérieur, qui va donc verrouiller les signes du vieillissement et les travailler à la source de ce vieillissement. C'est la Gentle Cleanse and Tone. En fait, c'est une mousse nettoyante visage qui a l'avantage de vous faire toneur en même temps. Donc quand vous partez en voyage, en déplacement, si vous avez une peau plutôt mature, ça peut être très bien d'avoir ça si vous ne vous déplacez pas avec votre brosse, votre lumispa, etc. J'ai bien aimé l'utiliser. Ça, c'est un produit que j'avais, un petit stick de la marque 71 qui était de couleur bleue. J'avais eu la chance de le recevoir pour test. Vraiment, j'ai adoré le packaging, etc.
Par contre, ça fait un moment que je l'ai. Il a complètement tourné, changé de couleur. C'est le problème des... C'était une composition assez clean, hein, si je me souviens pas, mais là, c'est plus utilisable. Un masque gommant chez Uriage, de la gamme Iseac, pardon. Donc ça, c'est un masque vert, comme ça, qui absorbe les impuretés, qui affine le grain de peau. C'est un masque exfoliant, donc vous le posez, puis vous tournez après des mouvements circulaires. Oui, c'est pas mal, mais j'ai plus trop la peau adaptée à ça. J'ai quelques mascaras que j'ai terminés. Donc ça, c'était chez Smashbox, le Full Exposer en format mini, qui a séché maintenant. Je l'ai trouvé très bien. Celui-là, par contre, j'ai pas aimé. Le My Little Beauty, c'est un mascara que j'avais eu dans My Little Box. Trop sec, trop pâteux, il me fait rien du tout. Et le mascara... Alors ça, c'est quelle marque, ça? C'est Couvrance, je crois, la marque. C'est une marque de parapharmacie. C'était un tout bébé mascara, donc l'inconvénient c'est que plus le format est petit, plus ça sèche vite. Il avait une brosse vraiment, vraiment sympa en petit picot silicone. Donc j'ai bien aimé, mais j'ai pas utilisé très longtemps. Et celui-là aussi, alors ça j'aime beaucoup, c'est chez Aiko, c'est le Black Magic. Et là j'avais la teinte marron, il existe en noir. J'adore ce mascara, j'adore la brosse, il est vraiment... Très bien, très naturel, hein. C'est un mascara au rendu naturel. Si vous cherchez l'effet fossile, ce ne sera pas vers ça qu'il faut aller. Mais moi qui aime les rendus plutôt fins, séparés, recourbés, naturels, c'est très très bien, Black Magic. Elle Patikia contour des yeux, c'est pareil, c'est une crème avec un applicateur bille métallique. Je m'en sépare, je ne l'ai pas terminé, j'ai utilisé quelques fois. C'est un produit éco-cerne, vegan, etc., bio, ça tourne. Les produits bio, ça tourne quand même beaucoup plus vite que les produits classiques. Donc moi je préfère pas prendre de risques, j'applique pas ça sur mon contour des yeux. J'ai terminé mon petit format du couvent des minimes, le Santa Cruz. Vous savez que je vous en parle très souvent de ces gammes de colognes chez le couvent. Et la Santa Cruz pour l'été, c'est parfait quoi, ça sent, c'est très citronné, c'est agrume, c'est presque mixte, hein, mais moi j'aime beaucoup ce genre d'odeur quand il fait chaud en été. La petite robe noire, là c'était un petit échantillon, ma foi ça sentait plutôt bon. Le bon parfumeur, alors ça, le numéro 3, c'est vraiment très masculin, je ne le porterai pas. C'est Yuzu, feuille de violette, vétiver, c'est vraiment pour les hommes. Celui-là par contre j'ai adoré, Hermès, un jardin sur le Nil. Je l'avais gardé, vous voyez, pour vous montrer la bouteille, hein, en boutique, elle est comme ça, le grand format. Un parfum de lumière et de vie, généreux et pétillant, où les senteurs de mangue verte, de fleurs de lotus et de jonc odorant se mêlent à l'encens et au bois de cinocore. Pour les hommes comme pour les femmes. Il m'en reste une goutte. C'est vrai que ça sent très bon. Ça sent très bon, c'est citronné, c'est frais, mais il y a un petit caractère un petit peu plus puissant derrière. Ça je jette, c'était des gouttes aux tambrosantes graduelles de la marque Balance Me. Bah, en fait, il n'y a plus rien dans le tube. Alors c'est une petite quantité, ça s'est complètement évaporé, ça a tourné. Donc poubelle. Je finirai par les petits échantillons. J'ai terminé une grande jarre Yankee Candle que j'avais allumée depuis un moment. C'est vraiment l'odeur du feu de bois. Effectivement, feu de bois crépitant. C'est tout à fait l'image ici. Bah j'adore, mais c'est plutôt une bougie d'hiver à mon sens, mais j'adore. D'ailleurs, en parlant d'odeur, j'ai également terminé un petit book. Vous savez, c'est les petits livrets de papier d'Arménie que vous pouvez faire brûler. C'est un petit peu comme de l'encens. Ça, cette odeur de papier d'Arménie, je sais pas comment vous le dire autrement. Donc moi j'adore, ça me rappelle l'enfance aussi. C'est made in France, c'est un petit peu comme de l'encens. Pour finir dans la partie parfum, j'ai aussi terminé un petit échantillon de Juliette Azougen, le nouveau qui s'appelle Lust for Sun, qui est vraiment une très très belle réussite. Donc là c'était vraiment le petit format, hein, l'échantillon. La bouteille c'est un grand flacon comme ça, orangé. Très beau d'ailleurs, dans un dégradé magnifique. Ça sent l'été, ça sent les vacances. Alors, niveau complément, j'ai terminé aussi les Vitalfans de René Fürterer, qui était un complément pour les cheveux. Donc j'avais un mois d'utilisation ici, donc pour les cheveux affaiblis, fatigue, stress, post-grossesse. Bon écoutez, je trouve que ça a eu de l'effet. En tout cas, j'ai l'impression que ça avait plus d'effet quand j'avais en combinaison les compléments et les petites pipettes. Là, je n'ai plus que les pipettes et j'ai l'impression que je repère plus mes cheveux. Voilà, donc certainement que celui-là a eu son effet. Niveau complément, j'ai aussi fini un flacon de mon TR90. Vous savez que c'est des compléments que je prends assez régulièrement. C'est un programme de gestion du poids chez Pharmanex, donc qui est la gamme des compléments New Skin, qui sont des compléments alimentaires de très haute qualité. Vous allez avoir vraiment des effets par rapport aux concentrations en actifs, hein, qu'ils ont. Et donc là, il y a deux compléments, hein, dans ce programme TR90. Je vous ai fait une vidéo détaillée sur ce programme de gestion de poids. Si à tout hasard vous cherchez à perdre quelques kilos, n'hésitez pas à aller voir. Vous avez le complexe C et le complexe F. Il y en a un qui va travailler vraiment sur votre métabolisme
qui va accélérer entre guillemets le métabolisme et vous allez éliminer plus vite les calories. Et il y en a un qui travaille vraiment sur votre motivation, sur les envies de sucrer, sur les envies de grignoter. Ça va complètement vous les couper. Donc c'est quand même assez efficace. J'aime bien moi cette combinaison des deux compléments dans la routine. Et vous pouvez également, si vous voulez attaquer dardard la perte de poids, on a également des barres protéinées, donc dans la gamme TR90, ça ce sont les barres au citron qui sont très bonnes. En fait, chaque barre, alors vous pouvez la prendre en plus de votre alimentation, mais elle peut aussi également remplacer votre repas. Ça peut remplacer votre petit-déj, vous allez avoir l'apport en protéines qu'il vous faut. Ça couvre 30% de vos apports journalières, rien qu'une barre. Elles sont délicieuses, celles au citron. Là, on vient de sortir celle au chocolat que j'attends avec impatience pour pouvoir les déguster. Ça vous permet de contrôler un petit peu votre alimentation dans la journée. Si vous n'avez pas le temps de manger non plus, que vous êtes au bureau, c'est toujours bien d'avoir votre petite barre avec vous. Donc ça aussi, je valide. Toujours chez New Skin, j'ai terminé également mon contour des yeux de la gamme Nutricentiale qui est le I Love Bright Eyes. Je vous en ai parlé souvent parce que ça fait partie de mes favoris. C'est une petite crème, alors s'il m'en reste une micro-gouttelette, c'est une petite crème légèrement saumonée, rosée, pêche. Et ça va apporter une lumière toute naturelle en dessous du contour des yeux. Ça va l'hydrater, ça va le réveiller. Donc j'aime beaucoup cette crème-là. Ça y est, j'ai plus de batterie, il faut qu'on finisse. Niveau thé, j'en ai fini pas mal aussi. J'ai terminé la compagnie coloniale, le thé de Noël à la cerise. C'est le thé noir amande et cerise, c'est juste une tuerie. Donc ça, je vais garder la boîte et me racheter maintenant les recharges. Palais d'été, ils avaient fait le thé de Noël enchanté, qui était un thé vert noir, fruits rouges et éclats de chocolat. Il est bien, mais je ne le rachèterai pas. Il me donne quelques aigrins d'estomac, bizarrement. Brownie noisette. C'était de la marque, je sais même plus, Maison quelque chose. Maison Bourgeon, c'est ça. Et je l'avais reçu dans une box très très bon, très original, un thé à la noisette et au brownie. Et enfin, j'ai terminé les thés de chez Caroline avec ce petit packaging magnifique. Bon, bah la batterie n'a pas tenu. C'était un thé vert là dans la gamme, les thés de Caroline que vous pouviez boire chaud ou froid. Donc un thé vert avec du riz grillé soufflé. C'était très original et très bon. Voilà, on termine avec les échantillons et je vous laisse tranquille parce que je crois que j'ai dû blablater presque une demi-heure si je me trompe pas. Petit échantillon de la CC Crème CC City Madara que j'aime bien. D'ailleurs, je l'ai en petit format et en grand format. Très naturel, très léger avec un SPF. Teint Idol Ultra Wear échantillon Lancôme. J'en ai deux. J'ai l'ancienne version et la nouvelle. Donc le beige diaphane. Et la nouvelle, c'est la 315C qui serait susceptible d'être ma teinte. Voilà, donc je vous renvoie à ma vidéo sur les fonds de teint où je vous ai tout détaillé. Je vous parle des fonds de teint Lancôme en particulier. Une huile lavante Roger Cavaillès. Plutôt bien, j'avais une unidose. Normalement, c'est un grand flacon comme ça. C'est très hydratant. Et ça permet de vous laver si vous avez vraiment la peau sensible. Clarins Joli Rouge. Donc ça, c'est des nouveautés. Enfin, c'est assez récent chez Clarins. J'avais trois teintes avec un petit pinceau. Franchement, la première teinte qui est donc le Joli Rouge Soft Berry, la 705, était juste incroyable. Ça m'a donné envie d'acheter le full size. Donc là, les échantillons, c'est quand même efficace, je trouve. Et le mascara noir Allure Chanel, que j'ai quasiment terminé. Petit format, la brosse est excellente, je l'ai trouvé très très bon. Pareil pour un échantillon du petit prisme de Givenchy, 4 couleurs, donc vraiment sympa, avec une petite toupette. Là franchement, pour l'échantillon, ils avaient fait ça extrêmement bien, je trouve. C'était un bel échantillon. Écoutez, je crois qu'on est bon. J'ai terminé cette vidéo, cette 22e édition des produits terminés. C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous partager ça, de faire cette vidéo avec vous. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à la liker, à me mettre un petit commentaire. Et puis je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao !